Et salut, on se retrouve pour la suite de la carrière sur Project Cars 2. Donc, je vous ai laissé sur la fin du championnat Asia en rookie. On se retrouve donc pour l'Euro Championship. Donc, cette fois-ci, c'est en 3 manches. Et comme d'habitude, je fais les qualifs. On se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti. Qualifié 12e, donc dernier. Première manche. Conseil à ceux qui vont faire le mode carrière également, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu un petit problème, je sais pas si c'est un bug ou quoi. J'ai loupé la manche précédente, enfin le dernier championnat, alors que je voulais record et bizarrement, j'ai été, je sais pas si on peut dire renvoyé, en tout cas ça a redémarré ma carrière à zéro. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui l'ont déjà commencé, si vous avez déjà eu ce souci. C'est bizarre. Surtout si c'est normal, entre guillemets, ne pas hésiter à baisser bien le niveau de l'IA pour pas se faire avoir parce que c'est assez frustrant. Et encore là, j'en suis qu'au début. Là, c'est faire attention, pas trop de contact parce qu'elles sont très très fragiles. On a très vite fait lâcher une roue. Et on se concentre un peu, on est cinquième. Sa place. Ah oui, pénalité. Ah, c'est passé le gaillard. Ils sont rapides les cochons, c'est... Surtout là, je sais pas pourquoi dans la ligne droite, ils sont plus rapides que moi. Pénalité qui va bien.
Switch, y a pas. Sur le peloton de tête, plus ou moins. Ici, un peu de motricité, mais on est bien. Si le virage est assez technique, sais pas comment je l'ai rattrapé celle-ci. Il y a un peu de chance là-dedans. J'ai vraiment du mal. Celui-là. Allez, c'est le dernier tour, on va essayer encore de prendre celui devant. On est cinquième, c'est le grimpe de gagner. Cette place. If you've got anything left in the tank, now it's time.
rester là pour cette première manche. Cinquième, il faudra faire mieux sur les suivantes. Allez, on est sur Donington et on est cinquième après des qualifs un peu compliqués sous la pluie. Allez, à mon départ, on va essayer de faire mieux que cinquième pour porter un maximum de points. Trop de dérive là. Allez, on termine le premier tour. Premier. Allez, il reste droite, gauche et c'est tout bon. Marquez les points, on termine premier. Allez, on se retrouve pour la dernière manche. Fait juste un petit point, donc je suis deuxième pour l'instant en provisoire. Au niveau de l'équipe, on est deuxième également. C'est Garnett Lee en première position. On va essayer de rattraper ça sur la troisième. Allez, troisième et dernière course du championnat, je me suis qualifié septième. Il y a 6 tours. Il faut au moins finir sur le podium. On va faire des tards ici. Prendre à l'extérieur, pas se faire accrocher. Bien protéger sa place. Extérieur, carrément. Allez, on est déjà en première position. C'est bon, première place. Ça nous donne premier au
classement pilote et deuxième au classement équipe. Pas trop mal. Allez, on va voir la suite, on va voir ce qu'on nous propose. Donc, l'Euro Championship, c'est bon. Hop. Victoire. J'ai débloqué un défi. Voilà. Donc ici, si je veux... Non, on va pas faire ça. On peut faire les suivants. Alors, hop, on va faire retour. Il y aura le karting ou la Ginetta Junior. J'ai débloqué maintenant le niveau 5. Donc je sais pas, à la rigueur, qu'est-ce que je fais? Je passe au niveau 5 ou alors je fais la petite Ginetta Junior. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour la suite de la carrière. Salut!